premier volcan de ma vie. Quoi. Bon, la fin, c'est quand même bien aménagé. Bon, il n'y a pas trop de marches, j'aurais pu faire des marches quand même. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça pète. C'est le dragon qui se réveille. Comme dans les histoires fantastiques, quoi. On pourrait presque croire qu'il y a une bête là-dessous. C'est pas très accessible pour les fauteuils roulants, mais bon. On leur redira. De la fumée, de la fumée. Claquer la porte là. Attention, attention. Ouais, voilà, il y a le volcan là-bas. Là. En immersion dans le volcan de Tana. Yazoo. L'activité économique principale de Tana. Je mène du Vanuatu pour certains qui viennent que ici. Tana. Il y a des liaisons directes entre Sydney et Tana en fait. Le mec il voit même pas le port Vila. Oh là là, ça pète! Feu d'artifice! On va essayer d'aller là-haut. Hein. Qui est devenu ici. Autant finir. Il y a de la fumée qui sort de partout. Comme dans un film. Pas le magma dans celui-là, c'est trop bas. On peut pas y accéder. Oh là là! Ça pète, ça pète! Super les effets spéciaux, ils sont bien réussis. Hein. Cinéma Vanuatu, ça gère. C'est le décor des joueurs à City Park. Avec des, la fumée qui sort de la forêt. Attention, attention, ça va repéter là, je sens. Oui! Thank you.
Tout est ok. C'est comme au fond de l'eau quoi, c'est un spectacle fascinant. On pourrait rester des heures. Deux, ça veut dire qu'il a repris une activité plus dense que d'habitude. Ça pète bien. Oh, j'aimerais bien voir la lave. Bon, ça sera bon une prochaine fois. Je ferai un petit saut élastique à l'intérieur. Ça souffle. Bon, la dernière éruption date de 95 en fait. Spéciaux puissance 10 000 quoi.